Africains subsahariens en Italie ont décidé de descendre sur le terrain pour être, se positionner en tant qu'acteurs sur tout ce qui a trait sur la communauté noire en Italie. On ne se connaissait pas et on voit que tous les Noirs d'Europe ont absolument les mêmes problèmes. Beaucoup de volonté, mais très peu d'argent, très très peu de moyens. Et on s'épuise à la lutte, à toujours vouloir faire des choses et de ne pas voir les interlocuteurs. Cette fois-ci, on sent bien que le paradigme change. Les interlocuteurs ne sont plus forcément les Blancs en face, mais nous-mêmes. Ça veut dire qu'il nous faut nous connecter entre nous et trouver les solutions tous ensemble pour essayer de faire front commun, pour essayer de changer la donne. Je suis Carla Kabamba, je suis une politicienne en Amsterdam, en Hollande, et je suis ici pour parler pour nous et avec nous, pour un futur, pour les jeunes, mais aussi pour le secteur technologique, IT. Pourquoi ? Parce qu'il y a le travail qui ne revient plus. J'étais ici pour suivre ces travaux. Moi, je mets l'accent sur notre jeunesse qui est victime du racisme. Tous les jours, ils entendent des mots « sale noir », ils sont traités de singes. Et le fait que je mets l'accent sur le fait que l'Europe n'est pas assez inclusive. Or, c'est des jeunes qui sont nés en Europe, qui n'ont pas beaucoup de rapport avec l'Afrique. Ils font des études, mais ils sont malgré tout très peu intégrés. S'il y a une vérité à dire, c'est que grâce à l'Afrique, l'Europe est ce qu'elle est aujourd'hui. Les Africains qui arrivent en Europe aujourd'hui, à travers les différents parcours migratoires, dont certains sont périlleux, ne sont que les derniers à quitter le continent. Avant eux, les ressources du sol et du sous-sol de l'Afrique ont été transportées ici, y compris les êtres humains, sous forme de marchandises. La première fois au Parlement européen, on a voulu célébrer une semaine pour les afrodescendants. Et on a appelé ça l'orgueil noir, l'Europe noire, pour essayer de faire comprendre qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y a déjà une réalité que les gens ignorent. C'est la présence des afrodescendants. Les afrodescendants sont une réalité. Malheureusement, dans les politiques, dans la culture, dans les pensées, les gens croient que et pensent, hein, puisque ça fait partie des clichés, des stéréotypes qui continuent. Les gens pensent que les Noirs ne doivent pas faire partie de cette société. Or, c'est une réalité. Alors, j'ai voulu faire ça au Parlement européen, toute une semaine, en disant c'est l'orgueil noir. Et ça doit donner du courage à nos enfants. Voilà.